Et salut à tous, soyez les bienvenus sur ma nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la suite de notre aventure sur God of War. On s'était quitté avec le troll que nous avons réussi à battre. Et notre mission maintenant c'est de partir en direction de la maison avec donc Atreus. Donc on est parti, on continue. Yes. Alors, ce qui est très important, c'est que on va essayer de faire le maximum d'exploration possible. On va essayer de regarder aux alentours. Qu'est-ce que tu me fais là? Oh là là, ça y est, ça continue. C'est quoi ça? Étourdir les ennemis. La jauge d'étourdissement des ennemis se situe sous la jauge de santé. Lancer une série d'attaques répétées contre l'ennemi pour infliger des dégâts d'étourdissement qui permettront à la jauge de se remplir. Quand elle est pleine, l'ennemi est étourdi. Appuyez sur R3 pour saisir. Ok. Les flèches d'attaque à moins nu. Ok, donc ça veut dire que je peux lui dire de tirer et je peux faire une attaque spéciale en fait. Ça. Oh la vache! Ah ouais, c'est violent hein. Et bim, on l'attrape, on l'ouvre. Voilà, tout simplement. Allez, toi viens là. Encore un? Quelqu'un d'autre? Ok, très bien. Ça c'est quoi? Ah, de l'argent. On prend, on prend, on prend. Mais bon, je sais pas s'il faut que je monte ici ou faut que j'aille là. Il y a quoi ici? Je vais monter là. Ah donc lui il est venu là, donc moi à mon avis il y a un truc intéressant ici là. Je sais pas du tout ce que c'est par contre. T'arrives toujours pas à ouvrir les portes hein. Silence. Pourquoi il peut pas l'ouvrir? Elle a quoi cette porte? Très bizarre. Donc à mon avis on va en savoir plus à la suite. Ok, on continue, il y a encore des ennemis par ici. Bah ils sont où? Appuyez sur R-Tap pour verrouiller un ennemi, orienté vers la gauche ou droite pour changer. Ah ok, ça ça verrouille. Casse-toi. Très bien, ça prend de la main. Encore, encore. Ah mais lui il est tout... Ah il est bizarre. Il est tout en feu lui. Ok. Quelle chose? C'est quoi ce truc? Il est tout bleu. Oh là, ça lui fait rien. Ok, certains ennemis résistent aux attaques de la hache. Ok, donc on va aller au coup de poing. Bah alors, bah alors. Ouais, ouais, c'est ça que je kiffe, c'est un jeu brut. C'est vraiment Kratos, c'est vraiment une brute. Et je t'ai dit de te taire. Hop, on casse. Et on descend. Nickel. Ok, on est arrivé. Pourquoi un troll de feu voudrait brûler le jardin de maman? Et depuis quand les drogards s'aventurent si près de la maison? Je sais pas, je sais pas, arrête. Je ne sais pas. Maintenant tais-toi, on est presque à la maison. Ah voilà, tout est dit. Il est arrivé là? Ok, on est arrivé, il y a le bûcher. Avec... Ah ouais, tout a cramé. Ok, c'est bon. Ok, nickel. Mission accomplie les amis. Allez, rentre.
Tu t'es laissé emporter. Cette chose voulait nous tuer. Et toi, tu te mets tout le temps en colère. La colère peut devenir une arme. Si tu la contrôles, tu peux t'en servir. Mais ce n'est pas ton cas. Quand tu perds... J'ai pas été malade depuis longtemps. Je vais mieux maintenant. Très bien. Alors vas-y. Tu veux que je te frappe ? Je veux que tu essaies. Aïe ! Pourquoi tu... Recommence. Pourquoi tu fais ça ? Tu es trop lent. Recommence. Mais arrête ! Trop mou, essaie encore. Encore. Ça suffit ! Encore ! Cette colère, tu peux te perdre en elle. La route est longue et difficile. Et toi, Atreus, tu es loin d'être prêt. C'est quoi ça ? Silence. Sors de là ! Ça sert à rien de te cacher. Je sais qui tu es. Qu'est-ce qui se passe ? Tu le connais ? Et mieux encore, je sais ce que tu es. Atreus, sous le plancher. Allez ! Tu m'as toujours interdit d'aller là-dessous. Tu sais qui c'est ? Je n'en sais rien. De quoi est-ce qu'il parle ? Aucune idée. Rentre là-dedans. Dis-moi seulement ce que je veux savoir. Inutile de faire couler le sang. Je te voyais un peu plus grand. Mais pas de doute, c'est bien toi. Tu es bien loin de chez toi, hein ? Qu'est-ce que tu veux ? Oh, je suis persuadé que tu le sais déjà. Peu importe ce que tu cherches, je ne l'ai pas. Passe ton chemin. Et moi qui croyais que ceux de ton espèce étaient sages. Tellement meilleur que nous, tellement plus brillant. Pourtant, tu te caches ici dans les bois comme un sale lâche. Tu es sûr de vouloir te battre ? Oh. Mais c'est bien pour ça que je suis là. Ah ! Chez moi. Oh. J'ai bien peur que tu doives me tuer pour ça. Je t'avais prévenu. Enfin. Tu aurais dû écouter. Je suis terriblement déçu. Allez, amène-toi. Oh là là, ça s'annonce compliqué, ça. Je sais pas qui c'est ce mec. Mais il est pas humain. Pas du tout. Donc ça va être compliqué. Bon, on va essayer de faire le mieux possible. Parce que lui aussi, il a une force un peu... Je m'ennuie. En plus, il se fout de ma gueule. Tiens! Tu le fais exprès ou quoi? Vas-y, viens, viens! Moi, je suis chaud, moi! T'es sérieux, mec? Allez, fais un effort!
Eh ouais, réflexe, réflexe, ma gueule. Bah alors. Pas du tout qui c'est ce mec. Peut-être que ceux qui connaissent vraiment God of War savent qui c'est, mais moi, franchement. Putain, je te coince dans le coin. C'est pareil. Bim! Alors, je sais qu'à la base, God of War, il est basé sur la mythologie grecque. Calme-toi, calme-toi. Si je me trompe pas, hein, c'est basé sur la mythologie grecque. Sauf que sur ce celui-là, sur ce God of War, c'est la mythologie. Ah, j'ai oublié. C'est la mythologie quoi? Ça a changé, c'est pas la même. Frappé là. Si vous savez laquelle c'est, je sais que ça a changé. C'est plus la mythologie grecque, donc mettez-le dans les commentaires. Et je crois à nordique, c'est pas ça? Mythologie nordique. C'est un tout nouveau. Ah ouais, putain, il m'a déglingué. C'est un tout nouveau. Nouvelle histoire en fait, ça n'a rien à voir. Enfin, je sais pas, on va voir. Bim! Défonce-lui sa tête, vas-y. Qui est-ce que tu caches? Oh la vache. On est qu'au début, c'est ça qui est intéressant. Midgar. Non, genre, c'est pas du jeu. Bien. On remet ça? Tu parles trop. Ah ouais, sérieux. Tu refuses de parler? Très bien. La personne que tu caches dans cette maison sera peut-être plus loquace. Pas du tout. Alors, rage spartiate disponible. Ah. Voilà, ça y est, tu m'as vénère. Ouais. Bah alors, tu fais le malin, je t'avais dit de partir. C'est qui tu protèges, hein? Je vais trouver. Ça y est, rage. Oh la vache! Wow! Je rigole plus, que tu m'énerves pas. Je m'ennuie toujours autant. Bloqué ma gueule. Tiens, coup de hache. Oh le bâtard. Rapide là. Ah, ces attaques là. Arrête de faire l'enfant. Viens encore à corps. Viens là au lieu de courir. Commence à m'énerver hein. Je n'ai pas le temps. Espèce de hobbit. Et ouais, réflexe ma gueule. Oh, le contre. Bah alors, fais-moi le malin. Déglinguer le décor. Bon, on a dit c'est bon, vas-y, on se casse. Putain, il est épuisé. Vas-y, cours. Ça, c'est du combat. Hein. Ah, si tout le jeu il est comme ça, hey, on est bien parti, les gars. Hein. Ah, ouais. Tu pars déjà. Genre. T'es sérieux?
sérieux? Mais tu vas arrêter de m'emmerder? Odin. Donc c'est Odin qui l'a envoyé. Il a fallu que tu fasses ça. Tu viens de frapper en temps, tu veux. Ton corps va finir par lâcher. Mais avant que je t'achève, il y a une chose que tu dois savoir. Je ne sens rien. Rien. Comment ça, il sent rien? Tu vas voir. Vas-y, dis-lui sa race. Wow, 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 wow. Vas-y, remonte, remonte, remonte. Tu l'as vu de tes propres yeux, tu ne peux pas me blesser. Je suis invulnérable. Ouais, tu vas voir, tu vas voir. Ce combat est inutile. Tu as perdu d'avance. Nous aurions pu éviter tout ça. Pas de... Tu ne peux pas gagner. Je ne sens rien. Mais toi, tu sens tout. Et pourtant, tu continues. Ah, moi aussi j'ai le pouvoir de guérison. Si fais le malin, viens. T'as oublié, j'étais un demi-dieu. On n'en serait pas là. Mais non. Finissons-en. Tu ne peux pas me battre. Tu vas voir si tu peux pas te battre. Tu vas voir, tu vas voir. Viens ici, viens ici. Il fait penser à McGregor. T'es où? Ah, c'est explosé, tu vas rien comprendre. Je ne sens rien. Ah, mais cette attaque, elle est énervante. Bah alors? Le contre et bim bim. Oh, c'est viol. Ah, énervant toi. Franchement, ça c'est un combat, la vache. Je ne sens rien. Ouais, pour... en attendant, je suis en train de te niquer ta race. Hein. Bah alors, je croyais que tu sentais rien. Voilà, c'est fini pour toi, ma gueule. Ugh.
compliqué la vie des dieux. Qui était-ce ? Il savait qui j'étais. Est-ce qu'il connaissait mon passé ? Comment m'ont-ils trouvé après tout ce temps ? Alors là... Oh, c'était énorme ! Eh, ce genre de combat, la vache. Faye, qu'est-ce que je dois faire ? Notre fils n'est pas prêt à porter des cendres au sommet de cette montagne. Tu m'étonnes. Ça va être compliqué, mon gars. Avec tout ce bruit, j'ai cru que... Tu n'as rien. Je vais bien. Viens. Prends tes affaires. Nous partons. Je croyais que j'étais pas prêt. Tu ne l'es pas. Mais nous n'avons plus le choix. Prouve-moi que j'ai tort. Oui, père. La montagne. Ça va être un long super, voyage. Super, nous voilà. Oui. Donc ça est, terminé les mais arbres marqués. Wow. Et là, qu'est-ce départ vers la montagne. Super, on a commencé très 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 fort. Donc là, je pense que ça sera tout pour cet épisode. Alors on va juste faire un tour dans les options. Voilà, donc là je connais pas, faut que je regarde. Donc ça marche par niveau. Donc là pour l'instant niveau 1, force 5. H Léviathan, ok, donc là c'est la hache. On va pouvoir avoir d'autres armes. Ensuite ici c'est l'arc. Donc ok, donc on va pouvoir améliorer l'arc et avoir quelque chose d'autre je pense. D'accord, ça c'est quoi? Poignée en bois. Ah d'accord, on va pouvoir changer la poignée de la hache. Génial. D'accord, ensuite là-bas donc je suis niveau 1. Avec des vitalités, chance. Afficher description. Ok, d'accord. On va améliorer l'armure aussi. Donc, protège épaule, protection issue de l'exir. Ok. Et là, ok, protection de la taille, des avant-bras et du torse. D'accord, donc tout ça, on va pouvoir améliorer. Améliorer ou acheter autre chose, quoi. Mais ça, ça va être très intéressant. Et ici, talisman. Ah, et on va pouvoir même améliorer. Ah, il n'y a pas que moi, quoi. Lui aussi. Génial, ça va être énorme. Niveau des compétences, ok. Donc là, on a des compétences avec la hache. Très bien, donc au niveau du combat. Compétences avec, avec le bouclier. Et du coup, le arc aussi, avec le petit. Génial. D'accord, donc pour l'instant, il n'y a rien. Il faut, ok, requiert l'amélioration. Ok. Donc ça, c'est au niveau de la carte. Donc, pour l'instant, bon, il n'y a pas grand-chose. Ça c'est quoi l'entrée de la chambre cachée? Ah, il y a une chambre cachée. Ah, j'irai voir ça peut-être après. Ok, les objectifs. Ainsi que, ok, le codex et les ressources. Donc là, j'ai juste la pomme que j'ai pris tout à l'heure. Ok, très bien. Donc là, au niveau du XP, on est à 541. On a 5632 argent. Alors attends. Ok, donc là on revient à la carte.
Ok, génial, ça va être super cool, on va pouvoir bien s'amuser avec. Donc voilà, c'est tout. On finit ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à commenter la vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite. Prenez soin de vous. Allez, au revoir.